Grandillon. Bonjour Blandy. Bonjour Monsieur Grandillon. Bonjour Florian. Nous nous retrouvons donc pour l'entretien de janvier 2008, donc en compagnie de Monsieur André Grandillon, rédacteur en chef de la revue Militant. Et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, l'économie orientée du nationalisme. Alors vous pouvez retrouver un article sur ce sujet dans le numéro 661 de Militant. Et tout d'abord, comment analyser la production économique d'une société? Comment l'analyser? Alors si vous prenez la théorie économique classique, celle qui existe aujourd'hui et qui domine, la production économique va être mesurée par le PIB, c'est-à-dire la production intérieure brute, autrement dit c'est par la dépense. Alors, plus vous avez un pays qui dépense, plus on va vous dire qu'il est riche, plus il a une production économique importante. Comme disait Frédéric Bastiat, vous cassez un carreau, vous appelez un vitrier, il va vous remplacer le carreau, vous avez créé une activité économique. En fait, vous n'avez pas pour autant enrichi le pays. Alors, ce n'est pas la bonne manière d'aborder la question. La bonne manière, c'est d'aborder la production économique sous son aspect physique, son aspect énergétique, si l'on peut dire, en termes d'énergie. Matériel et mental, c'est-à-dire que la production économique, la puissance économique d'une société, c'est concevoir la capacité d'un peuple à produire les biens dont il a besoin pour servir son activité courante et développer sa puissance. Autrement dit, lorsque l'on parle de production économique, il ne faut pas commencer à parler en termes d'argent, mais il faut parler d'abord en termes de quantum d'énergie à la fois physique et humain. C'est-à-dire que dispose-t-on d'un savoir-faire suffisant humain qui permettent de développer telle et telle production, et ensuite, dispose-t-on des matières premières qui permettent de mettre en œuvre cette production. À partir du moment où vous avez résolu cette question, c'est-à-dire que vous disposez d'une manœuvre disposant d'un savoir-faire permettant de produire, et que vous disposez des ressources physiques pour les réaliser, et bien à ce moment-là, vous ajustez les moyens financiers. Et la véritable production économique, la véritable richesse économique d'un pays se développe de cette manière. Autrement dit, c'est l'adage qui résume à peu près le problème de l'économie. Ce qui est matériellement possible dans l'intérêt d'une nation et d'un peuple doit l'être financièrement. Or, aujourd'hui, effectivement, on a tendance à inverser le problème. Vous n'avez plus d'argent, donc vous ne pouvez rien faire. Peu importe que vous ayez des millions de chômeurs, peu importe que vous ayez des routes qui se détruisent, que vous ayez besoin de développer des industries, on n'a pas de sous. Donc on ne fait rien. Alors le véritable problème effectivement d'une économie orientée, c'est de mettre à la disposition de l'économie les moyens financiers, les signes monétaires, qui permettent d'irriguer le corps de l'économie et d'alimenter les organes productifs de l'économie. Vous dites que l'économie est liée à l'aspect financier et aussi à la monnaie comme un tout. Tout ça, ce sont des sujets qui sont liés. Mais ce sont des sujets qui sont liés. En gros, les signes monétaires sont un petit peu comme les globules rouges du sang qui alimentent les différents organes du corps économique. Qu'est-ce que vous appelez signes monétaires? Les signes monétaires, lorsque la banque centrale ou une banque crée un euro, par exemple, ou un franc, c'est un signe monétaire. C'est-à-dire c'est une unité monétaire qui va permettre de provoquer des échanges et de lancer des productions. C'est ça, un signe monétaire. Et vous allez créer des signes monétaires en quantité suffisante pour permettre d'irriguer le circuit économique. En fait, le circuit monétaire, si on doit le comparer à un organisme vivant, un corps humain, c'est le circuit sanguin. Et vous avez les organes qui, eux, permettent de faire fonctionner ce corps, cet organisme. Vous avez le cerveau, vous avez le foie, vous touchez ça. Mais en économie, vous avez l'industrie, vous avez l'agriculture, vous avez la formation, vous avez les transports, vous avez l'État,
faire fonctionner, c'est-à-dire ce qui structure la société, qui est la société en marche vers son destin. L'État, c'est la société constituée en vue de l'accomplissement de son destin. Eh bien, à partir de là, vous devez créer les signes monétaires qui permettent de faire fonctionner le système. Vous voyez, donc l'économie, effectivement, l'économie orientée, ça commence par la maîtrise des questions financières et des questions monétaires pour adapter les signes monétaires, donc les flux monétaires, les flux financiers, aux besoins du développement de l'économie. C'est pour ça que vous dites que la puissance financière crée le pouvoir d'achat, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat aussi. Ça y participe. Ça y participe, effectivement. La monnaie est l'équivalent général de la production. À partir de ce moment-là, l'argent dont disposent les gens permet d'acheter cette production, permet d'en développer de nouvelles. Donc effectivement, les signes monétaires sont cette vie qui permet à l'activité économique de se développer. Si vous n'en avez pas assez, ben, l'économie risque de se contracter, vous pouvez entrer dans une période de déflation. Alors, les périodes de déflation ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais seulement souvent de la manière dont elles sont traitées, elles conduisent à la contraction de l'économie. Si vous avez une période d'inflation, c'est-à-dire que vous créez trop de signes monétaires par rapport à l'activité économique, c'est-à-dire que vous laissez trop de signes monétaires dans le circuit économique. Parce que vous pouvez avoir des signes monétaires qui sont stockés en quelque sorte, mais qui n'interviennent pas dans le circuit économique. Donc s'ils sont stockés, c'est d'ailleurs ce que vous avez aujourd'hui, tous ces systèmes de restructuration, de dettes, de prêts et autres. Ils savent très bien faire ça aujourd'hui. Lorsque vous avez ce surplus donc de signes monétaires, eh bien, les signes monétaires se dévalorisent par rapport à la production existante. Et vous avez un développement de l'inflation. Un développement très important de l'inflation. Et si l'inflation dépasse, disons, 2-3% annuel, vous avez un dérèglement des repères dans l'économie. Parce que le système des prix relatifs, qui est quand même le signe indicatif de la bonne santé de l'économie, le système des prix relatifs permet de savoir si dans tel secteur il y a une pénurie, dans tel secteur on peut investir. C'est quand même un élément important, même si nous le verrons tout à l'heure, le système des prêts relatifs n'est pas nécessairement l'indicateur sur lequel on doit se fixer à 100% pour construire une économie, mais il n'empêche que c'est extrêmement important. Et si vous avez de l'inflation, à partir de ce moment-là, tous les repères sautent et c'est l'économie qui part à la dérive. Donc ce sont des biens physiques qui dépendent quand même des nécessités et tout ça. La monnaie elle-même, les signes monétaires. Les signes monétaires sont liés à l'activité productive. Donc d'où l'importance d'un système central qui contrôle, disons, les entrées. Disons, si on peut dire la banque centrale ou l'organisme central monétaire, c'est en gros le cœur qui va lancer dans les artères le sang suffisant pour le développement du fonctionnement de l'organisme. Et de l'autre côté, il faut que les veines caves qui reçoivent en fin de circuit les signes monétaires qui ont servi à l'économie permettent d'équilibrer les signes monétaires qui sortent du cœur. Si vous n'en avez pas assez d'un côté ou trop de l'autre, vous créez des dysfonctionnements, vous pouvez avoir des thromboses, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Enfin, bon, j'utilise une image anthropomorphique, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire pour l'économie. On passe à la deuxième question. Et donc, du coup, quelle est l'utilité de ce système d'économie orientée prôné par le nationalisme ? Eh bien, à partir du moment où vous avez, que vous considérez l'économie en termes d'énergie, en quantum d'énergie humain, matériel, eh bien, vous pouvez vous dire que vous pouvez intervenir sur l'affectation de ces différents facteurs de production pour orienter l'économie
dans tel ou tel domaine qui sert au bien commun du peuple et au développement de la puissance de l'État qui le représente. Alors, on va, de ce point de vue-là, on va vous dire en règle générale que les libéraux, surtout, vont vous dire mais cela se fait par les signes des taux d'intérêt, les signes de la rentabilité. Plus vous avez un secteur rentable, plus vous dites que vous pouvez investir dedans parce qu'il y a de la demande, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Bon, d'accord. Alors, moi, je vais vous prendre un contre-exemple. Les secteurs qui aujourd'hui ont la plus grande rentabilité, ce sont les secteurs financiers et bancaires. Donc, on va concentrer des milliers de personnes, disons, l'énergie d'un peuple, dans la création d'activités bancaires, financières et autres. C'est-à-dire que les autres secteurs sont abandonnés, en fait. Et les autres secteurs sont abandonnés. Est-ce que parce que vous détenez un secteur bancaire, un secteur financier important, vous allez pour autant développer la production et la puissance d'un pays? Non, absolument pas. Vous créez un secteur parasite. Alors on vous dira qu'effectivement, vous avez certains États, à certaines périodes, qui, comme ils disposaient d'une puissance financière, ont pu étendre un empire. Un empire économique, vous avez eu Venise, vous avez eu Gênes, enfin toutes ces républiques-là, et même les États-Unis, quoi qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus artificiel, mais vous disposez d'une puissance financière, et à partir de là, vous avez une puissance économique sur le monde. Mais la vérité est aussi que vous disposez d'une puissance financière, mais si vous n'avez pas l'économie puissante à l'intérieur, que vous ne produisez pas ce dont vous avez besoin pour le développement de votre puissance, c'est-à-dire votre substance, il y a la puissance financière, tôt ou tard, c'est un leurre qui s'évapore. Oui, il faut se baser sur les savoir-faire et un peu tous les secteurs, en fait. Alors, ce qui compte pour la puissance d'un pays, ce n'est pas, au fond, la puissance financière, mais c'est la capacité d'un peuple à produire. Autrement dit, c'est son savoir-faire, c'est sa capacité à former des gens. Sa main-d'œuvre aussi, non ? À former sa main-d'œuvre. À développer cette main-d'œuvre, à lui donner des qualifications qui lui permettent de créer de nouvelles activités, de produire et de développer ses activités. Mais vous dites, si une ressource physique est disponible, il faut la développer, en fait. Eh bien, oui, il faut développer les ressources physiques dans l'intérêt du pays. Mais surtout, ce qui importe, le premier travail, dès que vous avez un peuple qui a un génie industriel quand même avéré, et ce qui était le cas ce qui est même encore le cas des peuples d'Europe, même si l'État les matraque fiscalement, administrativement, parce qu'aujourd'hui, pour avoir envie de créer son entreprise, il faut avoir la foi chevillée au corps, hein, avec l'État parasite que nous avons, surtout en France. Eh bien, ce qui importe, c'est la formation et l'éducation. Le premier élément à faire dans une économie orientée, c'est effectivement de préparer à la formation des gens. Formation intellectuelle, formation scolaire, ensuite formation professionnelle. Ça englobe l'activité maternelle aussi. Ça englobe l'activité maternelle. Alors on va vous dire aujourd'hui, si vous prenez une économie libérale ou autre, où est la rentabilité immédiate de la maternité ? Il n'y en a pas. Ce n'est pas reconnu. Ce n'est pas reconnu. Une mère de famille, c'est bien connu, ne fait rien. Une mère de famille, elle accouche et au bout de 3 mois, elle retourne au travail, tout simplement, comme diraient les marxistes, pour créer des plus-values pour les capitalistes. Bon, mais non, mais le fond de l'affaire, alors on va discuter sur la plus-value, mais le fond de l'affaire est là quand même. Bon, alors qu'une mère de famille, investir dans les berceaux, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si vous avez une économie orientée, vous allez affecter des facteurs de production, des facteurs humains, des facteurs économiques, vers la natalité, pour permettre justement, à fond perdu dans un premier temps, de renouveler les générations qui elles-mêmes vont travailler, en fait. Qui elles-mêmes vont travailler, et de relancer la natalité, donc de créer les richesses futures du pays. Cette politique de natalité, d'ailleurs, bon, le Troisième Reich l'a très bien utilisée. La RDA, la République démocratique allemande, en a fait de même et les résultats ont été là. Et aujourd'hui, vous avez la Russie de Vladimir Poutine qui fait la même chose. Vous avez la Hongrie qui fait la même chose. Et vous avez à ce moment-là, d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui prouve que l'on est dans un monde gnostique, satanique,
c'est que la vie ne compte pas, la vie est mauvaise. Et on fustige tous ces gens-là qui font des politiques natalistes. Et chez nous, on fait la pratique de l'avortement, chez nous. Et d'ailleurs, même, c'est très symptomatique. On nous dit que, on ne fait pas de génération, il y a suffisamment de renouvellement de génération, il y a suffisamment de monde à l'étranger pour nous remplacer. Et au forum de Davos, le 23 janvier, on a donné un prix à une actrice australienne pour sa promotion, pour l'installation comme ils appellent, des migrants, en fait des envahisseurs, de migration, invasion. Donc, chez nous, cet esprit gnostique de destruction de la vie, qui est lié aussi au fait qu'on nie le fait national, que tous les hommes sont interchangeables, fait que nos économistes, nos penseurs, ne peuvent pas comprendre ce que nous disons actuellement. Et pourtant, l'économie... Ça ne fait pas partie du logiciel. Ça ne fait pas partie d'un logiciel. La première chose à voir, c'est d'abord cette économie orientée, qui est orientée déjà vers la natalité, vers le renouvellement des générations, vers le développement de la richesse humaine du peuple. Puis vous dites, oui, chaque secteur, donc il peut y avoir industrie, champ, transport, la recherche... Et alors, à partir de là, selon que vous avez besoin d'une activité ou autre, eh bien, vous orientez les facteurs de production dans tel et tel domaine. Le premier des domaines qu'on oublie trop aujourd'hui, c'est l'agriculture. L'agriculture. Si vous ne produisez pas de quoi manger, vous pouvez produire toutes les industries que vous voulez, d'une manière ou d'une autre, vous avez un talon d'Achille qui, tôt ou tard, va se révéler dangereux. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passait pour l'Allemagne avant 1914. Elle inondait le monde de ses produits, mais elle ne couvrait ses besoins qu'à 70%, quelque chose comme ça. Et certains économistes allemands disaient, mais on ne peut pas faire la guerre. En cas de guerre, on ne sera plus approvisionné, on va mourir de faim. Effectivement, il y a eu de fortes pénuries alimentaires en 1914-18. Bon, donc, développer. Alors on va vous dire, là encore, mais c'est pas rentable et autres. On affecte des moyens de production pour même développer des petites entreprises qui vont permettre de réinstaller des populations sur nos territoires. Si vous avez des exploitations de, je sais pas, 30-40 hectares, avec un système de prix d'organisation agricole conséquent, les gens peuvent très bien vivre. L'économie orientée, c'est aussi de permettre, dans un premier temps toujours, à perte, en termes de rentabilité financière, de créer des infrastructures qui incitent les gens à se réinstaller dans les campagnes, dans les provinces. Il est extrêmement mauvais qu'un pays comme la France voit l'essentiel de sa population concentrée dans l'agglomération parisienne, bientôt 20 millions d'habitants, dans la région lyonnaise, la région marseillaise, quelques autres agglomérations, et puis le reste, c'est le vide, c'est le désert. Vous ne pouvez pas tenir un pays de cette manière-là. À toutes les époques, des pays qui ont créé des gruyères territoriaux se sont effondrés. L'Empire romain. L'Empire romain, oui, notamment. Effectivement. Les gens quittaient les campagnes. Vous avez aussi, aux périodes de crise de l'Empire chinois, les campagnes qui se vidaient, et bon, le pays qui s'effondrait. Alors aujourd'hui, on va vous dire, mais tout ça, c'est pas rentable. Laisser l'économie de marché faire son pas. Non, il faut là intervenir pour orienter. Il y a autre chose que la rentabilité financière. Il y a autre chose, il y a la rentabilité humaine, la puissance d'une nation, la puissance d'un peuple pour se pérenniser. C'est quand même la première chose qui compte. Oui, vous dites en fait une économie au service de l'homme déjà. Mais c'est une économie au service de l'homme. Alors, pour développer nos richesses, alors on va vous dire aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple tout simple. On a construit des lignes TGV, et puis maintenant, Macron dit « Ah, on n'a plus de sous, on ne peut plus rien faire. » Alors, vous avez la ligne Bordeaux-Toulouse, qui est en suspens. Vous avez une aberration totale du fait qu'entre Montpellier et Perpignan, vous avez un hiatus de 100 et quelques 150 km, je crois, parce que les lignes TGV françaises et espagnoles ne sont pas reliées. Vous vous dites, on ne peut pas le faire, on n'a pas de sous. Or, vous avez plein d'entreprises de BTP, de bâtiments, de travaux publics, bah, qui vont se retrouver au chômage parce qu'on ne leur donne pas de travail. Vous avez un développement économique induit par ces créations de lignes qui ne va pas venir. Eh bien,
Dans une économie orientée, on va affecter des facteurs de production dans ce domaine-là plus que dans un autre. Aujourd'hui, à quoi affecte-t-on les, si on peut dire, les signes monétaires qui tiennent lieu d'indicateurs? Au paiement de la dette. Au paiement de la dette qui est quasiment bientôt le premier poste budgétaire de l'État. Pour rembourser la dette à des banquiers, à des financiers qui se gorgent de ça pour le propre bénéfice et pour mieux nous asservir ensuite. Dans une économie orientée, premièrement, ce type de prédateur bancaire n'existe pas. Et l'activité économique est orientée de telle... On affecte des facteurs. Alors, on sait très bien que sur les médias, c'est peut-être pas rentable, mais seulement à terme, ça va permettre au pays de grimper en puissance, d'augmenter de puissance. Et il y a encore un autre élément. Oui, c'est la richesse d'un pays. C'est la recherche fondamentale. La recherche fondamentale. Et la recherche fondamentale, où peut-on mieux la trouver que dans la recherche militaire? Dans la recherche, et pourquoi? Bien, tout simplement, un peuple normalement constitué veut se défendre contre tous ses ennemis. Donc, il veut se donner les moyens d'avoir les cuirasses, d'avoir les armes, d'avoir les outils militaires qui vont lui permettre de se protéger des autres et se défendre des attaques des autres. Ça fait partie des pouvoirs réguliens. Hein. Ça fait pouvoir, oui. Et historiquement, il a toujours été montré que les États dignes de ce nom, les peuples dignes de ce nom, ont toujours su affecter les meilleurs moyens humains, les meilleurs moyens matériels au secteur de la recherche en matière militaire, parce que, en quelque sorte, eh bien, c'est la vie du peuple qui en dépend lui-même. Et d'ailleurs, 14-18, c'était limite le début de la chirurgie qui a pu être inventée pour recoller les visages un peu. Évidemment. Et les progrès techniques en automobile, en aviation, ont été dynamisés par la guerre de 14. Ne parlons pas de la guerre de 40. Ne parlons pas ensuite de l'arme atomique. Toutes ces choses-là. Donc, effectivement, eh bien, là, vous êtes... Aujourd'hui, on nous dit que le budget militaire, c'est 2%. 2%, bah, tout simplement, toujours pareil, on n'a pas de sous. Alors, on va vous dire, les États-Unis, eux, peuvent faire plus. Bah oui, évidemment, c'est ceux qui tiennent la monnaie du monde, donc ils peuvent encore faire à peu près ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas suffisant. Un État normal doit affecter à la défense militaire et à la recherche minimum 5% de son budget. Minimum. Minimum. C'était d'ailleurs ce qui était le cas dans les années 50-60, à l'époque où la France est encore maîtresse de ses moyens financiers. Ouais. Et cette orientation politico-étatique implique-t-elle justement une planification organisée d'économie? Alors non. La planification, il ne faut pas confondre économie orientée et économie planifiée. L'économie planifiée, c'était le cas de l'économie soviétique. C'est en quelque sorte prévoir à partir d'un centre combien de clous dans telle usine on va produire, les nombres de paires de chaussures que les gens vont acheter dans telle et telle ville. En gros, c'est une prévision rationalisée des comportements des gens. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est faite de jaillissement. Donc, une économie orientée ne va pas être une économie planifiée. Elle oriente les flux d'activité, elle oriente les hommes, elle oriente les centres d'intérêt d'un peuple dans des domaines qui permettent de développer sa puissance et qui vont au service du bien commun du peuple, mais en permettant à l'entreprise privée, à l'initiative privée, de s'exprimer totalement. C'est beaucoup moins lourd, en fait, vous dites, qu'une planification. C'est beaucoup moins présent. Donc, moins étatiste, finalement. On pourrait dire, en gros, quoique il y a un grand rôle de l'État dedans. Le rôle de l'État, c'est de canaliser, d'orienter, de diriger vers tel ou tel point. Mais les gens, à l'intérieur de cela, s'organisent comme ils veulent. Il faut faire confiance à l'homme, il faut faire confiance à la créativité et à la créativité humaine. Et à partir de ce moment-là, dès qu'une personne est à son propre service, c'est qu'elle va pouvoir gagner de l'argent et une reconnaissance sociale, eh bien, elle va se donner les moyens de réussir la tâche qu'elle a entreprise. Et croyez-moi, lorsque l'on voit des gens, des personnes engagées dans ce genre de situation,
ils ont des résultats franchement extraordinaires et surprenants. Ça a toujours été le cas. Or, on va vous dire, mais là encore, vous contrôlez tout. Mais l'économie, il faut voir une chose, c'est que l'économie actuelle, l'économie dite néolibérale, c'est une économie bureaucratique. Parce que toutes les règles de concurrence, toutes les règles qui ont été instaurées, elles le sont parce qu'il y a eu des lois qui ont été promulguées, parce que vous avez tout un ensemble de services administratifs, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à l'OCDE, que ce soit dans tous les organismes internationaux, qui sont là pour faire respecter cette libre concurrence. Donc, c'est une libre concurrence totalement artificielle qui, une fois de plus, alors là, est orientée, mais orientée au bénéfice de gros groupes économiques internationaux, des conglomérats internationaux, transnationaux, des systèmes et des entreprises bancaires. Et au sommet de tout ça, effectivement, les cercles mondialistes qui s'en servent comme outil de domination. Donc l'expression de démocratie organique ne vous gêne pas, ça va à peu près avec votre propos. Une démocratie organique, en fait, c'est... Une démocratie organique. Mmh. Une démocratie organique, ça signifie simplement que les gens peuvent donner leur avis dans des domaines où ils ont la compétence. Ah oui, là vous parlez plutôt à l'échelle de commune. À l'échelle même de l'atelier, de l'entreprise, du travail. Il est tout à fait aberrant de ne pas demander l'avis de gens qui connaissent bien leur métier pour essayer d'améliorer le travail. Donc, alors, la démocratie, elle existe à ce niveau-là. Même dans les petits villages, effectivement. Dans les petits villages, tout le monde se connaît, on sait très bien qui peut être le mieux à même de diriger une communauté. Dès que vous arrivez à un échelon beaucoup plus important, la démocratie ne signifie plus rien. Donc, mais là, bon, c'est peut-être encore un autre sujet, la question de la démocratie. Mais effectivement, si c'est bien mené, si on tient compte des compétences de chacun et de la vie, disons, c'est un chef d'entreprise ou un chef en lui-même, lorsqu'il décide, c'est toujours normalement en connaissance de cause, donc en ayant recueilli des avis, en ayant écouté les uns, écouté les autres, et souverainement, il décide. Donc effectivement, aujourd'hui, notre démocratie inorganique, c'est absolument pas le cas. Vous élisez quelqu'un, et puis après, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, et vous n'avez rien à dire. Et les principes de subsidiarité et de suppléance ne sont peut-être pas respectés non plus comme ils doivent l'être. Les principes de subsidiarité et de suppléance aujourd'hui ne sont absolument pas respectés. D'ailleurs, ça veut dire quoi la subsidiarité à l'échelon européen? En principe, la subsidiarité ou le principe de suppléance, c'est tout simplement ce qui n'est pas réalisable à l'échelon inférieur doit l'être par l'échelon supérieur. Mmh. À Bruxelles, c'est différent. Tout ce que Bruxelles peut faire par lui-même, les autres n'ont pas à s'en occuper. C'est la perversion du principe de subsidiarité. Ça n'a plus rien à voir, là. Et donc, oui, on développe l'initiative privée et les grands organismes centraux en même temps. Il faut qu'il y ait une articulation entre État, structure et population de travail. Évidemment. Alors, effectivement, à travers une structure organique de l'économie, à travers les corps de métier, à travers les différents corps intermédiaires, on met en place toutes ces structures qui permettent à la population, au savoir-faire, aux entreprises, aux gens d'atteindre les buts fixés par l'État. Donc à chaque échelon de la société. Quoi. À chaque échelon de la société. C'est une inégalité, mais bienfaisante, ça comprend ça. En fait, voilà. En gros, c'est comme on pourrait dire, c'est la liberté humaine qui est canalisée pour le plus grand bien du peuple et de la société. Voilà. Et alors sur le thème aussi, le système fiscal qui doit être allégé, le code du travail et tout ça. Alors évidemment, si l'on veut que ça fonctionne, dans une économie, tous les moyens sont limités, humains, matériels. Donc il faut faire en sorte que l'activité, effectivement, soit, comme je l'ai dit, orientée pour l'intérêt du pays, pour la puissance du pays. Donc
Si vous développez des activités qui freinent cette puissance, ça ne peut pas fonctionner. Et l'État qui va au-delà de ses propres activités, de ses propres fonctions naturelles, ce qu'on appelle les fonctions régaliennes, qui s'étend partout, eh bien, à ce moment-là, il freine. Il freine le développement de la puissance d'un pays. Au contraire, petit à petit, tout le pays s'effondre sous lui, avec le poids de la fiscalité qu'il entraîne, parce qu'un État n'est pas productif. Un État, il est là pour assurer la sécurité extérieure, la sécurité intérieure, la justice. Il est là, et quand on parle de la justice et de la sécurité intérieure, effectivement, ça déborde sur ces questions économiques, puisque la puissance d'un pays est liée à la sécurité. Donc effectivement, mais l'État n'a pas à s'occuper de tout gérer. L'État n'a pas à multiplier les règlements à tout point de vue. L'État doit être réduit à quelques centaines de milliers de personnes. Puis aussi, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bon, par exemple, je lisais il n'y a pas longtemps, les associations municipales, paramunicipales, régionales, étatiques, enfin tout ce qu'il peut y avoir, depuis quelques années, disposent de prélèvements sur la production de plus en plus importants. Dans les années 2010, on était à 50 milliards d'euros, maintenant on est à plus de 85 milliards d'euros, d'après les statistiques, les études les plus cohérentes. Donc, vous affectez des gens à vous occuper d'associations sportives, d'associations culturelles d'ailleurs, où le mot de culture sert à afficher toutes les dépravations et perversions possibles. Vous affectez des gens là-dedans qui seraient beaucoup plus utiles à des activités productives, au développement de la richesse d'un pays. Et d'ailleurs, pourquoi mettons les gens aujourd'hui dans tout ce genre d'activités ? Tout simplement parce que le système scolaire, le système de formation a tellement été failli en France que ces pauvres gens ne savent pas faire grand-chose. Et bien pour les occuper, on les envoie dans ces associations où ils vont accrocher un tableau, où ils vont balayer un stade, où ils vont... Enfin bref, coller des timbres et ce que je sais d'autre, quoi. Voilà. Mais du coup, sur chaque métier, il faudrait conserver au mieux les règles essentielles et non 4000 pages, quoi. Enfin, c'est ce que vous voulez dire. Le code du travail doit être réduit à une centaine de pages. C'est pas la peine d'avoir 36 000 réglementations. Et s'il doit y avoir des réglementations, elles doivent être faites spécifiquement à l'intérieur des branches de métier. Donc des corporations de travail qui n'existent plus, quoi. Alors, des formes de corporations de travail, oui. Mais des formes de corporations qui s'administrent elles-mêmes sous la supervision de l'État, en sachant très bien que ces corporations, aujourd'hui, sont devenues des choses... Enfin, établir un système corporatif, ou disons pas par branche, est assez complexe, parce que vous avez tellement de métiers qui ont changé, et tellement de métiers qui sont à cheval sur différentes branches, que là, il faut être très prudent. Je ne me lancerai pas aujourd'hui en disant il faut faire ci, il faut faire ça. Là, c'est un travail de longue réflexion que je n'ai pas la prétention de pouvoir mener. Et sur le thème de la technologie aussi, parce qu'il y a une omniprésence de la machine, et donc l'homme doit être au service de la machine, ou c'est l'inverse, parce qu'on a... La machine doit être au service de l'homme, évidemment. Mais seulement, il faut savoir que dans l'histoire, on a toujours tout fait pour réduire la place de l'homme dans la production. Donc ça ne va pas s'arrêter. Alors jusqu'à présent, statistiquement, la suppression de la main-d'œuvre par la mécanisation a été complétée, si on peut dire, contrebalancée, par la création de nouvelles branches d'activité. Utile, pas utile, ça c'est encore autre chose, c'est un autre débat. Mais le fait est là. Rien ne dit que ça va durer indéfiniment. Mais seulement, il faut bien se dire une chose, vouloir freiner le progrès technique est une erreur totale. Tout progrès technique qui supprime de la main-d'œuvre, on doit l'aménager peut-être pour éviter de mettre trop de gens trop rapidement, mais... Et il ne faut pas s'en priver parce que ce sont des éléments de puissance. D'autant plus que le propre de tout industriel, de toute activité, c'est de réduire les coûts. Quels sont les coûts les plus importants ? C'est la main-d'œuvre.
Alors, on aborde peut-être un autre sujet, c'est une économie orientée. Mais là, on parle d'une économie orientée sur son principe général. Mais une économie nationale est inscrite dans un ordre international. On traitera d'ailleurs plus conséquemment, oui, du sujet exact. À partir de ce moment-là, et c'est là que l'importance de la mécanisation intervient, c'est que, eh bien, il ne faut pas arriver à produire moins cher, plus cher que les autres pays, sous peine de se voir envahir par leurs marchandises, même avec des barrières douanières. Même avec des barrières douanières. Les barrières douanières ne s'entendant véritablement que pour compenser des situations de concurrence distordue. Bon, je reviens toujours, je dis toujours, lorsque Ricardo, en 1820, a établi sa théorie des avantages comparatifs en citant la production de Porto au Portugal et textile en Angleterre et que les deux pays se complétaient bien, puisque le Portugal abreuvait les Anglais et les Anglais habillaient les Portugais, les niveaux de salaire étaient quasiment comparables. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Lorsque vous produisez une tonne d'acier en Europe ou une tonne d'acier en Chine ou en Indonésie ou en Papouasie, bientôt, il y a des mines de fer là. Voilà. Alors, là, effectivement, il y a toute une autre organisation de l'économie internationale, mais il me semble qu'on en avait déjà parlé dans d'autres. Oui, sans doute, On l'avait déjà abordé. de manière. Bon, ben, c'est un système d'écluses, d'organisation de l'économie internationale par bloc économique, mais c'est encore un autre sujet. Et d'ailleurs, on traitera sur le machinisme de la cybernétique aussi, là où la machine est plus au service de. Enfin, l'homme est au service de la machine plutôt. Ah, il arrive un moment où l'homme devient esclave de la machine. Alors là, ça ne va Ça pose plus. problème. Ça ne va mais plus. vous avez bien aussi traité du sujet. En fait, c'est entre tradition et nouveauté finalement. Vous Voilà. dites qu'il y a différents stades industriels, on est obligé de les assumer. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner tout le passé, Et non, il quoi. faut. Et Et non. il y a les deux s'équilibrent et s'ils ne sont pas équilibrés, ils peuvent parfois s'opposer. Alors, en gros, aujourd'hui, dans un pays comme la France, on devrait pouvoir reproduire tout l'acier dont on a besoin avec une mécanisation poussée à l'extrême. Et je pense que on pourrait produire tout ce dont on a besoin avec peut-être 1 000 personnes au lieu de 10 000, par exemple. Oui, c'est ça aussi. Voilà. Donc, l'économie orientée vise aussi à concentrer les productions essentielles au pays au moindre coût et dégager la main-d'œuvre, les facteurs humains pour d'autres activités, etc. Mais j'en reviens toujours, c'est la capacité à se former, à s'instruire. Et aujourd'hui, on peut dire que la France est complètement défaite de ce point de vue-là. C'est ce qui m'inquiète le plus. Vous avez déjà traité en partie du sujet. On va ajouter quelques éléments tout de même avec la quatrième question sur l'État. Quel est le rôle réel de l'État et ses besoins dans cette application totale? Le rôle réel de l'État en économie, ou en général, Dans l'économie européenne. L'application politique. Dans l'application politique, eh bien, tout simplement, l'État, après mûre réflexion des différents problèmes, des différents enjeux, va établir un programme d'action avec des objectifs à atteindre et dans lesquels tel type de production, tel type de recherche et autres. Et Il est supervisé en gros, l'ensemble il et tout ça. supervise, il supervise l'ensemble, il contrôle, il dynamise, mais seulement il n'intervient pas lui-même pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Et C'est-à-dire que aussi, vous n'allez pas mettre un haut fonctionnaire qui va arriver dans une entreprise en lui disant ça va pas, ça va pas, qui va expliquer au chef d'entreprise comment il doit gérer sa boîte. Là, ça, c'est très courant aujourd'hui. Mais oui, mais voilà. Y donc, compris un fonctionnaire de l'Union européenne avec l'agriculteur, enfin, il y a énormément Et l'essentiel dans ces cas-là, c'est que dans ce qu'on appelle aujourd'hui la fonction publique, c'est que les gens puissent passer alternativement d'une activité productrice à une activité, disons, administrative, étatique. Enfin, ce sont les gens de métier qui doivent décider. Donc l'État, effectivement, de ce côté-là, a un rôle, en quelque sorte, de colonne vertébrale. Et après, ça nécessite tout de même qu'un État soit souverain
et donc indépendant de tout type de coterie associative ou financière qui serait au-dessus et pernicieuse, on va dire. Ah bien, à ce moment-là, effectivement, l'État ne doit dépendre d'aucun groupe de pression ni d'aucune coterie. Ce qui est d'ailleurs plus facile à dire qu'à faire, parce qu'au fil du temps, lorsqu'un État se développe, vous avez un système d'entropie qui fait que vous avez des groupes qui se développent plus que d'autres, et qui à un moment ou à un autre, je ne dirais pas phagocytent les services de l'État, mais ont une emprise beaucoup plus importante que celle qu'ils devraient avoir. Mais ça, bon, après, c'est lié à chaque génération qui dirige un système. Ça demande une rénovation régulière. Comme aurait dit Trotsky, une révolution permanente, quoi. Oui, voilà. Mais il est vrai que il faut s'en remettre en cause régulièrement et il faut voir là où les choses s'encrassent. Alors, historiquement, lorsque vous avez un État nouveau qui se met en place, la première génération, en général, est honnête, est parfaite. Bon, ce sont des gens... La deuxième génération, elle, est souvent issue de descendants ou des anciens caciques, enfin de ceux qui ont mis le système en place, et qui commencent peut-être un petit peu à s'encrasser. Et après, vous avez les troisième génération, et à ce moment-là, ce qui est extrêmement important, c'est de mettre en place un système de formation et de sélection qui permette aux meilleurs éléments, même des classes sociales inférieures, de s'en sortir et de se développer. Et la Troisième République, qui avait besoin de cadres, avait su pendant un temps très bien faire cette chose-là, où le fils du paysan pouvait devenir polytechnicien. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et le gros problème d'un État, c'est justement de permettre à chacun de pouvoir sortir les meilleurs, de pouvoir monter et d'accéder à des postes importants, aussi bien par les études qu'au cours de sa vie. Alors que là, les classes sociales sont figées, limite. Ah ben, en France, le système est complètement sclérosé et bloqué. En bien des points, l'état de la société française peut être comparé à celui de la société de l'Ancien Régime dans les années 1770-1789. La fin, quoi. Oui, le mouvement social ne se fait, le brassage social ne se fait plus. Ou alors, si, il se fait lorsqu'on favorise les fils d'immigrés. C'est les fils d'immigrés, on s'efforce de les promouvoir. Mais peut-être plus sur la couleur de peau, le faciès, que sur leur capacité. D'ailleurs, certains s'en plaignent, ils disent « je compte juste sur mes qualités et non pas sur mon hérédité ». C'est une discrimination positive. Là. Voilà, c'est une discrimination positive. Bon, mais en dehors de ça, le système est bloqué chez nous. Le système est bloqué. Politiquement, administrativement, étatiquement, le système est bloqué. On voit à chaque fois qu'on veut changer quelque chose, au lieu de réorganiser et puis de faire une cure d'amaigrissement, on rajoute toujours une structure par-dessus. Omniprésent et parasitaire. Donc effectivement, aujourd'hui la France est un pays bloqué, une structure... on n'est jamais juge de l'histoire, mais qui est prête à s'effondrer sur elle-même. Et ça appelle peut-être un sujet, vous allez me dire c'est peut-être encore autre chose, mais ça peut toucher, c'est que comme l'État doit tout rénover, est-ce que ça appelle une suppression des droits individuels pour les droits publics? Vous savez, quand même en période dictatoriale, des fois on suspend volontairement la reconnaissance de l'individu, justement, pour essayer de globaliser. Ça se fait peut-être plus dans des situations extrêmes. Alors, effectivement... Faut-il passer par là, en fait? Alors là, ce sont les événements qui nous le diront. Il est sûr que dans l'état actuel de la guerre économique internationale, des problèmes de survie qui vont se poser à la civilisation européenne, notamment au peuple de ce que j'appelle l'Europe carolingienne, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. En gros, cette Europe qui a été peu ou prou sous la domination carolingienne, sont en situation de mort imminente, si on peut dire. Donc, à un moment ou à un autre, il faut mettre en place
une sorte d'économie de survie, d'économie de guerre. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, on serre les dents et puis on avance, et puis les désidérata de chacun n'ont pas leur place. C'est ce que je disais, oui. C'est comme un remède pénible après, mais voilà. Il y a même Donoso Cortés qui le disait à la Chambre, disant « si la légalité suffit, allons pour l'égalité, autrement c'est la dictature ». Mais de toute façon, mais c'est même pas une dictature, c'est tout simplement bander les énergies du peuple, les énergies du peuple pour sa propre survie. En gros, on peut se comparer à une forteresse assiégée. Et dans ce cas-là, eh bien, qu'est-ce que vous faites ? L'économie orientée est extrêmement utile dans ce domaine-là et permet parfois d'affecter les facteurs humains, les facteurs de production sur des points essentiels. Si vous avez une forteresse assiégée, ben le gouverneur de la ville, il va prendre ceux qui jouent dans les cabarets ou qui passent leur temps à faire des peintures dans les maisons de maîtres. Il va les prendre et puis il va les envoyer sur les fortifications pour les réparer et les renforcer. Bon, eh bien, l'économie orientée, de ce point de vue-là, voilà à quoi ça sert. Et même en période de guerre, vous en arrivez même avec une certaine dose de planification. Alors, la planification peut fonctionner, hein, mais seulement pour des périodes très courtes. Pour une période de guerre de 3, 4, 5 ans maximum. Après, vous sclérosez l'économie. Mais effectivement, quand il faut bander les énergies de tout un peuple et qu'il ne faut plus un poil de graisse, à ce moment-là, effectivement... C'est ce qu'on appelle des cas d'interférence, en fait, ou des situations graves. Et oui, des situations graves, des situations de survie. Bon, ben, à ce moment-là, on mobilise tout le monde sur le pont, et puis les activités superfétatoires, on les reverra plus tard. Alors, effectivement, s'il y a des grincements dedans, ben, à ce moment-là, vous êtes obligé d'attraper les gens par l'oreille et puis de les amener faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Mais ça, c'est la survie d'un peuple. On ne peut rien, là. D'ailleurs, en 1914, bon, il n'y a pas eu de problème avec la mobilisation. Mais il y avait un carnet B qui prévoyait l'arrestation de tous ceux qui auraient refusé d'accepter la mobilisation, qui seraient révoltés. La patrie est en danger, pas de rigolade. Voilà, mais tous les peuples le font. Alors effectivement, lorsqu'un nationaliste va dire ça, on va tout de suite vous accuser de fasciste, de nazi, de tout ce que l'on veut, parce que national-socialisme, ils ne savent pas ce que c'est. Le nazi, c'est plus facile. Enfin, voilà. Est-ce possible de l'appliquer pour chaque nation, ou plutôt comment user de ce système étatique et national dans un contexte international ? Alors, un système d'économie orientée peut fonctionner dans chaque pays, mais avec une autre organisation économique internationale. Qui lui est propre. Voilà. Mais effectivement, nous, notre travail, chacun d'entre nous, il a ses propres affaires, son propre développement, à asseoir sa vie, à développer ses moyens de vie. Eh bien, il se donne tous les moyens pour le faire. Un peuple doit faire de la même chose, pour développer sa puissance, pour pouvoir exister. Parce que celui qui ne domine pas est dominé. Et vous connaissez la sentence, va vite qui se met l'en vaincu. Donc si vous ne dominez pas, vous êtes dominé. Alors vous avez des périodes, inévitablement, dans l'histoire, les relations entre peuples sont inévitablement des questions de rapport de force. Ce qui ne veut pas dire qu'on va être en guerre et en hostilité permanente. Il faut se parler, il faut discuter et autres, mais on sait très bien qu'il y a des rapports de force. Ben pour parler d'égal à égal, il faut avoir une certaine force aussi. Et voilà, il y a les rapports de force. Et les rapports de force sont autant alors là économiques que mentaux, que spirituels. Un peuple qui n'a plus la foi en lui-même peut avoir toute l'économie qu'il veut, il n'existe déjà plus face à un peuple moins puissant et qui a la volonté d'exister. Voilà. Et on le voit d'ailleurs un petit peu avec la Chine, d'ailleurs, aujourd'hui. La Chine qui veut exister. Alors ça durera combien de temps, là, c'est un autre sujet, mais... Et dans le contexte international, du coup, pour que ce soit applicable, il faut être hors Fed et tout ça, en dehors de la City, de Wall Street... Ah ben évidemment, un système d'économie orienté ne peut être véritablement applicable et bénéfique à un peuple que si on est hors du système financier mondialiste virtuel international. Par définition. Oui, mais cela dit, il peut y avoir des éléments d'économie orientée qui peuvent être mis en place, même dans le cadre actuel, pour peu qu'on en ait la volonté. Les effets sont loin.
d'être ce que l'on peut en attendre. Mmh. Mais bon, par exemple, dégraisser l'État, réduire les structures parasites, remonter le niveau de l'éducation et toutes ces choses-là, on peut très bien le faire. Je ne pense pas, moi, que je suis encore trop naïf, que la Fed ou les instances mondialistes vont nous taper dessus à cause de ça. Ou alors, ils vont commencer à nous taper dessus quand ils vont voir qu'on s'en monte trop vite. Voilà. Mais bon, je veux dire, mais on peut faire un certain nombre de choses. Après, ça fait aussi partie des pouvoirs régaliens, mais l'État doit battre monnaie. Chaque État doit pouvoir le faire. En principe, chaque État doit pouvoir créer sa propre monnaie qui est adaptée à son pays. Autrement, si vous avez des monnaies comme l'euro, vous avez inévitablement des unions de transfert qui font que les parties riches du territoire monétaire considéré sont obligées de donner de l'argent aux territoires les moins riches. Bon, on voit ce que ça donne. Les Allemands renaclent fortement à aider ce qu'on appelle les pays du Sud, les pays méditerranéens et encore moins la Grèce. Hein. Voilà. Bah, souvent, dans une ère géographique, il y a une nation dominante qui a tendance à dire un peu plus que les autres, ça c'est quelque chose d'inévitable. Mais il est inévitable. Dans l'Europe actuelle, on vous parle de la fraternité entre tous les peuples d'Europe. Ben oui, mais tant mieux que tout le monde s'entende et qu'on ne se tape pas dessus. C'est pas la peine de s'entretuer et de tout casser, on est déjà assez affaibli comme ça. Mais il n'empêche que par la démographie, par le développement économique, par... ces qualités intrinsèques, et bien à un moment donné, vous avez un peuple qui va dominer les autres. Et qui va, d'une manière ou d'une autre, être chef de file. Et on n'y peut rien. Aujourd'hui, c'est le cas d'Allemagne. D'ailleurs, parce que la France a tellement été mal dirigée depuis 40 ans que... je pourrais presque dire, à la limite, elle n'a pas grand mérite. Même si nous, quand même, il faut regarder une chose, on a toujours essayé de préserver un système de protection sociale que les Allemands n'ont pas hésité à faire sauter les fameuses lois Hartz de 2004-2005. On fait beaucoup de protection sociale ont sauté. Et aujourd'hui, si vous avez ce qu'on appelle la prospérité et la puissance allemande, elle se fait au détriment de 25% du corps salarial qui vit dans des conditions relativement précaires. Alors vous me direz... Vous vivez de façon précaire en touchant des allocations chômage ou vous vivez de manière précaire en travaillant dans des conditions proches de l'exploitation dénoncée par les marxistes. Mais, alors, c'est là que l'économie orientée et l'économie nationaliste, l'économie sociale et nationale, arrive à compenser l'ensemble avec la notion de communauté de peuple. Ce qui fait aussi effectivement... Communauté au pluriel, oui, c'est ça. Oui, et communauté de peuple. Ah. Oui. Et puis là, bon, c'est les Allemands, ils parlent de Volksgemeinschaft, mais il y a assez longtemps. Mais c'est ça, on forme une communauté de peuple. Et le chef est le mandataire de l'ensemble de ce peuple. Il parle au nom de ce peuple. La véritable élite, elle est là. La véritable élite, c'est celle qui, en gros, est l'expression de la volonté du fond de la société. Aujourd'hui, on n'a plus d'élite en France, puisque la plupart, ce qu'on nous présente comme les élites, sont membres de la superclasse mondiale ou aspirent à en faire partie. Et se moque pas mal des intérêts propres du peuple. Il y a une scission entre les deux étages. Ouais, oui, oui. Quand on parle d'élite, les élites, aujourd'hui en France, les véritables élites, elles ne sont pas au pouvoir. Les élites de la France, de l'âme française, elles ne sont pas au pouvoir. Ça ne va pas s'y tromper non plus. Et alors, un autre thème qu'on avait oublié, c'est... les États-Unis basent tout leur aspect financier surtout autour de l'objet militaro-industriel en fait. Au lieu de développer chaque secteur, eux, ils misent tout sur ce domaine-là. Effectivement, la puissance américaine tient sur deux piliers, le dollar, qu'ils ont réussi à consolider notamment dans les années 73 avec le dollar monnaie unique pour le commerce du pétrole, et ensuite pour le complexe militaro-industriel. Les États-Unis tiennent grâce à cela. Bon,
Mais Trump, à mon avis, l'a très bien vu. Si on ne s'en tient qu'à ça et qu'on ne recrée pas des activités propres à la vie intérieure de la population, notamment une classe moyenne, et notamment une classe moyenne, on va au désastre. Bon, Trump dénonçait durant sa campagne le fait que les infrastructures se dégradent de plus en plus, que le nombre de ponts sur lesquels il est difficile de circuler sans risquer de passer à travers et de tomber dans la rivière ne se coupent plus. Bon, Trump, de ce côté-là, a pour volonté, pour vocation de rétablir les États-Unis dans une structure économique beaucoup plus globale, beaucoup plus conséquente. Alors maintenant, comment s'y prend-il? C'est encore autre chose. Comment peut-il s'y prendre, sachant qu'autour de lui, tout le monde est contre lui? Tout le monde est contre lui. C'est autre chose. Il y a encore d'ailleurs le porte-parole des ennemis de notre civilisation, c'est-à-dire le dénommé Soros, qui a dit il y a encore deux jours que Trump, on en serait débarrassé au plus tard en 2020, peut-être même avant. Vous avez des anciens conseillers de Trump qui disent clairement que l'entourage de Trump fait tout pour essayer de le faire passer pour dément. Oui, la National Security, un document de sécurité intérieure qui a été signé par Trump en décembre, on se rend compte que sous des aspects, disons, patriotiques, nationalistes, l'essentiel du document sert les intérêts des mondialistes. Ce que des membres du CFR, d'ailleurs, un certain Haas, qui est président du CFR, a déclaré dans un article, en se réjouissant de voir que finalement ce document servait les intérêts du CFR. Alors que Trump, peut-être, à moins qu'il puisse y faire, enfin, lui, il pensait faire un document qui allait servir les intérêts propres des États-Unis. Là, il faut bien voir que Trump, quand on voit ses intentions, a tout le monde contre lui. Ce qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire toutes les structures, tous les magistères qui tiennent le pays, depuis Wilson, la création de la réserve fédérale. On va lancer la deuxième question. En quoi ce modèle économique diffère-t-il des autres connus du mondialisme et du nationalisme en général? Donc il y a les thèmes, le libéralisme d'un côté, et de l'autre, il y a aussi d'autres doctrines économiques qui sont connues. Il y a le colbertisme, qui est une autarcie nationale, un peu, sous Louis XIV, on en connaît d'autres, quoi. La formule corporative de Maurras, c'est encore autre chose, finalement. Oui, oui. Mais ce sont des doctrines qui correspondent à des états de développement particuliers. Bon, le colbertisme, effectivement, qu'on essaie de produire le maximum chez nous, notamment, même dans les circuits de consommation, à supprimer tous les intermédiaires qu'il peut y avoir. Une économie orientée, par exemple, peut intervenir pour supprimer tous les intermédiaires parasites et réduire les prix à la consommation de nombreux produits en passant plus rapidement du producteur au consommateur. Bon, ça l'économie orientée peut intervenir aussi là-dedans. Vous avez plein d'accapareurs qui sont peut-être pas toujours des Français de vieille souche qui interviennent dans ce domaine. On peut s'inspirer de plusieurs éléments, en fait. Alors, effectivement, le colbertisme permet à la France de subsister par elle-même, et en même temps, en éliminant les profiteurs, quoique on a accusé Colbert et sa famille d'avoir bien profité de leur fonction. Mais il faut pas non plus tomber dans l'anachronisme. À l'époque, quand on est au pouvoir, on se servait aussi, ne serait-ce que pour être respecté. Pas d'anachronisme. Mais effectivement, il y a le colbertisme, il faut s'en inspirer dans la mesure où on doit pouvoir disposer par nous-mêmes de l'essentiel des moyens de notre puissance, sinon la totalité, sans pour autant se fermer aux autres, parce que de toute façon, le commerce international, ça a toujours été existant, hein, on a toujours échangé avec les gens, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas. Après, vous avez le corporatisme de Maurras. C'est quelque chose, en gros, oui, c'est une sorte de transcription des corporations de l'ancien régime. Médiéval, oui, c'est médiéval. C'est une réactualisation de ça, en fait. Voilà. Alors, le corporatisme, oui, vous avez les chambres de métier, les corps de métier, les associations, mais tout ça, il ne faut pas que ce soit,
étatisés, comment dire, ossifiés. Parce que les corporations, là encore, si elles sont phagocytées par une coterie ou autre, ça peut devenir la pire des choses. Ça peut devenir la pire des choses. D'ailleurs, on le voit très bien même aujourd'hui, hein, avec l'ordre des médecins ou l'ordre des avocats, où finalement... Ce sont des restes de corporations, ça, derrière... Ce n'est peut-être pas toujours ces gens-là qui servent le mieux le métier, donc ils se réclament. Il faut que l'État, administre, n'ait pas un œil permanent, comme vous dites, mais en même temps, s'il y a un problème, extérieurement, il doit le résoudre. Vous avez un pays aujourd'hui qui pratique une sorte d'économie orientée, ben, c'est la Chine. C'est la Chine. Alors effectivement, c'est beaucoup plus foisonnant parce qu'il y a l'intervention du commerce international, de la finance internationale, il y a différents... Mais la Chine aujourd'hui est en quelque sorte une économie orientée. Par exemple, quand ils ont décidé de développer un réseau de 20-30 000 km de lignes TGV à travers la Chine, j'ai lu des articles dans des revues économiques américaines très autorisées en disant « ils sont fous, c'est pas rentable, ça sert pas à la rentabilité économique du pays, enfin bref... » Les libéraux. Les libéraux, les comptables, un con avec une table... un compte, mais voilà. Alors que les Chinois ont pensé au-delà. Ils ont pensé à rassembler les différentes parties du pays, à resserrer un pays... Donc le grand risque à travers l'histoire, c'est l'éclatement, à travers des féodalités locales. Quand vous pouvez mettre en 5 heures Pékin-Shanghai, à ce moment-là, déjà, vous resserrez un pays. C'est extra... Alors effectivement, d'un point de vue financier immédiat, c'est pas rentable. Quand ils ont construit la ligne qui va à Lhasa, au Tibet, vous allez me dire, c'est pas... C'est... Alors, on défend les Tibétains, c'est un autre sujet, mais avec un investissement énorme là, eh bien, ils rattachent le Tibet au pays, ils permettent éventuellement de mettre en valeur les territoires existants entre eux. Quand vous faites des lignes de chemin de fer à travers le désert de Gobi et à travers les anciens oasis de la route de la Choua, comme Kogan, Kashgar et autres, en soi, financièrement, ça ne doit pas d'une grande rentabilité. Mais dans l'intérêt de la puissance de la Chine, c'est fondamental. Si vous avez une économie uniquement libérale, vous ne les construirez jamais. Vous ne les construirez jamais. Donc un pays comme la Chine, effectivement, dispose de ses moyens. Maintenant, la structure financière chinoise n'est pas celle que les nationalistes mettraient en place s'ils étaient aux affaires, mais c'est une autre affaire. À chaque période, à chaque situation, on s'en... Oui, c'est vrai, il y a aussi la situation salazariste, puisqu'il y a eu un redressement économique de sa part, c'est aussi un cas particulier. Puis ça reprend des éléments assez maurrassiens, limite colbertiste aussi. Mais Salazar alors, avait réussi à faire une chose extraordinaire, c'est que l'escudo, la monnaie portugaise, est une monnaie extrêmement solide. Mais de l'autre côté, l'économie portugaise stagnait quand même. Alors, moi je me souviens être allé au Portugal dans les années 75, vous aviez de nombreuses routes qui étaient encore avec des pavés, et les femmes qui transportaient des sortes de couffins de goudron brûlant pour le transporter, pour répandre par terre et puis pour goudronner les routes. Chez nous, on avait quand même un autre matériel. Hein. Donc, alors, développer une économie ou des modèles trop repliés et qui refusent, disons, un développement technique, c'est ne pas se donner les moyens de sa puissance. Alors, je veux bien reconnaître que Salazar voulait développer à niveau égal les colonies africaines et le Portugal. Était-ce bien raisonnable? C'était autre chose. Mais il n'empêche que, d'un point de vue de puissance économique, le Portugal ne s'est pas développé comme il aurait pu le faire. Oh, la société était stable, mais c'est une société qui n'était pas capable de résister en termes de puissance face au reste du monde qui avait bougé. On ne peut pas vivre dans sa bulle, on ne peut pas vivre de manière isolée. On ne peut pas. Donc, on a les principes, comme on explique et autres, mais il faut tenir compte de l'environnement international et des réalités de chaque moment. Une dernière question ?
Et on va terminer avec la partie historique pour une fois. Quels ont été les véritables fruits économiques du national-socialisme dans l'Allemagne du XXe siècle? Alors, les fruits du national-socialisme, déjà la première moitié du XXe. Ouais. Oui, première moitié du XXe. La première chose, ça a été déjà en 12 ans de temps, de remettre l'économie allemande à flot et de développer, là encore, une politique nataliste, de développer une politique industrielle qui permettait à l'Allemagne de se développer et de retrouver un niveau de puissance que malgré tout elle avait perdu avec la guerre de 14. Et la République de Weimar, qui n'avait pas réussi à se rénover. Et en fait, ça fait partie des miracles économiques du Troisième Reich. Oui. Dont on ne parle jamais, c'est-à-dire cette période en fait entre 1933 et 1939, finalement c'est avant la guerre. Et voilà. Alors là où les choses ont commencé à se gratter, c'est lorsqu'en 1936-1937, Schacht, qui était le ministre de l'économie, et qui faisait partie, disons, de la finance internationale, une de ses filles avait pour parrain Montagu Norman, le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Mm-hmm. Pour vous dire que, à partir de ce moment-là, il a voulu réintroduire l'Allemagne dans les circuits financiers internationaux. Mm-hmm. Et devant l'hostilité quand même d'une certaine fraction des dirigeants mondiaux d'alors, il ne faut pas oublier que le Congrès juif mondial avait déclaré la guerre à l'Allemagne. Hitler a décidé de poursuivre la politique, disons, autarcique et la politique non financièrement libérale mise en place. Et à ce moment-là, Schacht a été déchargé de ses fonctions monétaires et a été remplacé par Walter Funke, le docteur Funke, qui lui a mis en place un système de financement de l'économie basé sur la capacité à produire du pays, sur la richesse propre du pays, et à partir de là, ils ont pu développer tout un système économique sans inflation qui a permis à l'Allemagne effectivement d'arriver à produire de manière vertigineuse dans des conditions apocalyptiques et de tenir le choc comme elle a fait jusqu'en 45. Ce qui prouve que des économies mises en place uniquement au service des peuples, arrive à obtenir des résultats extraordinaires. Vous avez un autre exemple, il n'y a pas que le Troisième Reich. Si vous prenez l'Afrique du Sud, au temps de l'apartheid, l'Afrique du Sud était un pays qui atteignait des développements extraordinaires, l'Afrique du Sud. Et même l'Afrique du Sud avait la bombe atomique, du temps de l'apartheid. Et vous aviez toutes les forces de l'énergie du pays, qui étaient tenues par les bourgs et par les blancs, les anglophones, les Européens vivant en Afrique, eh bien, l'Afrique du Sud est en train de devenir une puissance énorme. Et aujourd'hui, si elle a encore un semblant de puissance après l'effondrement et la trahison de Klerk, bah, c'est tout simplement parce qu'ils vivent sur les acquis de cette période, en gros, on pourrait dire national-socialiste de l'époque. Si on veut considérer que c'était une économie qui ne comptait que sur elle-même. Et elle ne pouvait faire que ça, puisque tout le monde la rejetait. Alors, effectivement, si vous êtes ostracisé par l'ensemble du monde, vous pouvez agir de cette manière. Un pays qui, aujourd'hui, pourrait très bien réussir une politique de ce genre, la Corée du Nord, effectivement, pour aussi, qu'elle se développe de cette manière-là, pourrait devenir un état d'une puissance économique fulgurante. Hein, et la Russie, si la Russie appliquait des méthodes d'économie orientées, des méthodes de ce genre, de type nationaliste et social, ils obtiendraient la Russie deviendrait une puissance extraordinaire. Mais du coup, cette économie orientée est quand même un principe prôné par le national-socialisme allemand, hein, à un moment donné, durant toute la période ou pas, À partir du moment où vous avez... Ben oui, l'économie orientée, elle a été mise en place dès les années 33-34, dès le début. Mais à partir du moment où vous pensez développer une économie dans l'intérêt de votre peuple, ben vous vous en donnez les moyens et vous arrêtez tous les trafiquants, tous les accapareurs, tous ceux qui veulent vous spolier. Donc effectivement, alors
vous arrivez à des résultats extrêmement importants. Vous arrivez à des résultats extrêmement importants. Et même l'utilisation des corporations a été faite, mais a été abandonnée, il me semble. Le troisième Reich, il y a eu juste une période. Alors, le système des corporations, c'était plutôt un système d'administration de la massa des salariés. C'était autre chose, en fait. Oui, oui, oui. Mais c'était pas non plus syndicaliste, en fait. Il n'y avait ni l'un ni l'autre, vraiment. Mais il est vrai aussi que pour connaître ce qu'aurait pu donner le troisième Reich, il aurait fallu qu'il puisse se développer sur 20 ans, 25 ans, 30 ans, et qu'il n'y ait pas eu ce conflit de guerre à partir de 37, 38, etc. Pour voir les véritables résultats. Les véritables résultats. Et surtout les deux. Bon, là c'est à part, mais Hitler a commis deux grosses erreurs, à mon sens, dans l'histoire. C'est en mars 39, quand il a envahi Prague, il n'avait pas à le faire. Il pouvait très bien dominer la Bohême-Moravie, enfin ce qui restait de la Tchécoslovaquie, par sa puissance économique, par son influence culturelle. Et le fait d'avoir, en quelque sorte, parjuré les accords de Munich, ont fait que les Anglais se sont dit « c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui n'est pas fiable ». Il a perdu la confiance de la fraction anglaise qui jusqu'à l'époque lui était favorable. Deuxième erreur, en juin 40, l'armistice et autres faisaient qu'il disait toujours que l'Alsace-Lorraine restait française, et début juillet, il l'annexe. Ce qui fait que ça a coupé toute possibilité de la France de s'entendre avec l'Allemagne, alors que la situation était très favorable avec Marcel Kémir. Alors vous voyez, il y a au moins deux erreurs. Alors je ne suppose qu'on aurait pu se penser à travers le temps, puisque le Congrès juif mondial avait déclaré la guerre à l'Allemagne. Bon, c'est autre chose. Il y avait les soviétiques de l'eau. On ne sait pas ce qu'on aurait pu se penser. Mais il y a au moins deux erreurs qui auraient pu être évitées. Et de pays assez proches, finalement. Et voilà. Deux erreurs fondamentales, par manque de prudence, par orgueil, parce que je le sais, mais enfin voilà. En tout cas, oui, au début, ça a été une lutte rapide et efficace contre le chômage. Contre le chômage. Avec bon, des notions contemporaines, industrialisées et tout ça. Et j'avais vu un documentaire vichiste, il me semble, dessus, sur INA.fr, il doit être encore retrouvable. Vous voyez la courbe des statistiques, comment en 6 ans, ça avait relancé toute l'activité. Ah bah, en 1937, il y avait pénurie de main-d'œuvre. Il n'y avait pas assez de dames. Alors qu'ils mécanisaient à outrance, ils mécanisaient à outrance pour dégager de la manœuvre dans d'autres secteurs. Et du coup, on va s'arrêter là. Je pense, oui, c'est juste comme conclusion, finalement, l'économie orientée est universellement applicable. Vous dites que ça peut être l'Allemagne qui le fait, comme un pays asiatique, comme un pays africain, et tout ça. Et la France, évidemment, pourrait faire. Oui, oui, chaque pays à échelle nationale peut s'inspirer de ces éléments-là. Chaque pays, oui, oui, oui. D'ailleurs, nous, on a eu un embryon d'économie orientée dans les années 50. Dans les années 50, avec les plans successifs que l'on a eus, puisqu'on affectait tel et tel type de production pour développer le nucléaire, pour développer l'informatique, pour développer... Les plans gaullistes de l'époque, par contre, il y a eu le très mauvais plan de dépeupler les campagnes. Ah, ça... Ça, c'est... Alors là, c'est encore bon, c'est un autre sujet, le dépeuplement des campagnes. Mais effectivement, il y avait des plans pour développer tel et tel secteur de l'activité économique. Mais on avait au moins un quart de la création monétaire qui était dans les mains totales de l'État, ce qui laissait quand même une assez grande liberté. Création monétaire qui a été supprimée par la loi de 73. Très bien. Nous donnons rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain pour un nouvel entretien politique. Vous nous sommes joignables sur le courriel contact@journal-militant.fr. Donc je répète, contact@journal-militant.fr. Pour toute proposition d'article notamment, ou message par rapport aux productions. Et donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter ainsi que sur notre chaîne YouTube. Et pour vous abonner à la revue papier mensuel, Monsieur Mandillon va nous donner tous les détails. Il vous faut peut-être un bouche. Je vais reprendre un exemplaire. Eh bien, alors, abonnement essai 25 euros, normal 59, renforcé 82. Vous pouvez vous abonner donc à la revue militant
revue-militant.fr ou par courrier postal militant boîte postale 154 75 463 75 463 Paris Sélection 10. Très bien. Donc merci à vous, monsieur Blondy. Merci, monsieur Blondy. Merci, Blondy. Merci, Florian. À la prochaine. À la prochaine.